Cet été-là, Johnny Dermot a apporté chez nous un livre de gospel. Sur la couverture en très gros plan, occupant toute la page, choquant presque. Oui, choquant presque, comme les photos de femmes nues dans les magazines que se montraient parfois en cachette mon grand frère et ses amis. Le visage d'un chanteur noir en pleine extase. Yeux fermés, sourcils froncés, poils noirs sur la joue, grain de la peau comme du granit, bouche grande ouverte, révélant des dents très blanches et jusqu'à la muqueuse rose du palais, perles de sueur tremblotant au coin des paupières et glissant sur les lèvres brunes charnues, reflets de lumière sur le front, le menton, le nez épaté, oui, toute cette surface sombre luisant sous l'effet d'un effort intense. Ce visage se livrant au regard dans un embrasement de joie et de douleur mêlés, mariés. Personne dans notre monde à nous ne se montrait ainsi. Les noirs, eux, peuvent être sexy, pas nous. Pas nous, dans nos petites maisons toutes semblables avec leurs pelouses tirées à quatre épingles, leurs garages, leurs fenêtres doublées contre l'hiver. Pas nous, avec nos leçons de piano et nos séances de patinoire et nos 10 mois d'école par an. Attendant l'autobus dans le froid glacial avec un lourd cartable sur le dos. Non, le sexe, c'était le sud. La peau sombre et suante, une chose sombre et suante et inimaginable. J'avais 14 ans, Johnny en avait 16, comme mon grand frère. Il avait la peau légèrement basanée, les cheveux noirs, les yeux foncés et liquides. Peut-être un peu de sang indien lui courait-il dans les veines. Ce sont des choses qui arrivent, en raison, semble-t-il, de certains crimes ou erreurs commis jadis dans les brumes du siècle dernier, mais dont on ne parle pas. Toujours est-il que ses longs doigts bruns et osseux sur le clavier du piano, m'initiant à ses chansons de gospel, si différent de ce que m'apprenait Miss Kenmore tous les samedis de 5h à 5h30 en maculant mes partitions d'encre violette. Miss Kenmore est encore jeune, mais c'est une vieille fille. Dès qu'on a vu ses cheveux coiffés en chignon et ses lunettes en écaille, on le comprend que personne n'a eu envie de l'épouser. Toujours est-il que les doigts de Johnny sur le clavier possédaient quelque chose de cette sensualité taboue. Taboue aussi. Tabou et attirante, la manière dont les Noirs parlaient anglais dans ses chansons, avec des fautes flagrantes, sublimes, de prononciation et de grammaire. Ils disaient « them » au lieu de « them »,« going » au lieu de « going », et surtout, à tout bout de champ, « ain't », ce mot totalement proscrit à l'école et à la table familiale où on nous apprenait à parler et à prier. Où nous nous réunissions chaque dimanche après l'office avec tante Anne, la cariâtre sœur aînée de mon père, et Anne-Marie, sa fille, notre chipie de cousine, pour montrer qu'on savait se tenir à table et manger sans se salir et parler comme il faut. Après le déjeuner, on me demandait souvent de jouer quelque chose au piano. Tout le monde descendait alors au sous-sol et je m'exécutais, égrenant sagement les morceaux que m'apprenait Miss Kenmore, Mozart, Kulao, et ainsi de suite, mais personne n'écoutait vraiment. Mon frère, parce qu'il rêvait d'aller fumer des cigarettes volées avec ses copains. Mes parents, parce qu'ils avaient entendu répéter jusqu'à satiété ces mêmes morceaux. Anne et Anne-Marie, parce que la musique et elle, ça fait trois. Elles chantaient faux et étaient incapables de faire la différence entre une croche et un crochet. Tout le monde attendait donc que ça se passe. Quand je m'arrêtais, on applaudissait poliment, avant de se lever pour partir, et Anne-Marie me glissait en sourdine « Petite parfaite !» Elle est jalouse de moi parce qu'elle est moche et bête. Elle aura bientôt 19 ans et elle a redoublé 2 fois et ses parents sont divorcés. En plus, elle a des gros seins tout mous et aucun garçon ne voudra jamais d'elle avec ses boutons sur d'acné mêlés aux taches de rousseur qu'elle a sur la tronche. Johnny ouvre le livre avec une chanson intitulée « Oh, them golden slippers », les souliers d'or. Il plaque les premiers accords, sol majeur, mi mineur, et se met à chanter « Je suis sous le charme ». Sa voix a mué déjà. C'est à une voix d'homme dans la gorge, il chante les paroles comme le vrai, me semble-t-il, un noir. Le noir sur la couverture du livre. « Oh, mes souliers d'or !»
mes souliers d'or. Je les mettrai le jour de mes noces, car ils sont si choux. Johnny chante et joue, et je me noie dans les profondeurs de ses yeux brillants. Pailleté d'or, tout est comme du miel liquide coulant en moi. Sa voix et les accords en mi mineur, c'est vraiment pas du coulant, ça, on peut le dire. Oh, my golden slippers, I'm laid away, 'cause I don't expect to wear them till my wedding day. And my long tail coat that I loved so well, I will wear up in the chariot in the morn. Oh, them golden slippers, oh, them golden slippers, golden slippers I'm gonna wear, because they look so neat. Oh, them golden slippers, oh, them golden slippers, golden slippers I'm gonna wear to walk the golden street. Je mettrai mes souliers d'or pour marcher dans la rue d'or. C'est ça que je rêve de faire. Moi aussi, le jour de mes noces, mais pas dans cette ville. Ah non, pas dans cette ville aux rues désespérément normales, des rues en macadam toutes propres et grises et rectilignes, numérotées dans l'ordre et se rencontrant à angle droit, en une vaste grille géométrique de petits carrés réguliers, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Non. Ce n'est pas ici qu'on pourrait danser dans les rues en allant à l'église pour se marier. Pas ici qu'on pourrait atteler le vieux cheval gris. Mais ailleurs, dans d'autres rues. Des rues sans nom et sans numéro, dans une ville du sud très chaude et colorée. Une ville où il ne neige jamais. Et où même en s'échinant dans les champs de coton, les noirs se mettent à chanter pour un oui et pour un non, le visage ruisselant de sueur, la tête rejetée en arrière, la bouche grande ouverte dans une joie qu'ici on ne peut même pas connaître, mais seulement imaginer, seulement rêver, en glissant les doigts sous les doigts de Johnny pour apprendre à former les nouveaux accords dorés, dissonants, interdits. Johnny revient le lendemain avec ses deux frères cadets. Ils ont la même peau d'ambre et les mêmes yeux d'ombre que lui, mais ils sont plus petits et moins charismatiques. Mon frère nous rejoint aussi. Et tous les cinq, on se met à apprendre les chansons dans le livre. On les joue en duo, voire en trio. On les chante à tue-tête, en imitant l'accent des Noirs, disant « river » au lieu de « river » et « that » au lieu de « that ». Et étant donné que dans ces chansons, il est souvent question de Moïse ou du fleuve Jourdain, de l'échelle de Jacob ou de la roue d'Ézéchiel, je dis à ma mère qu'il s'agit de cantiques chrétiens. Et du coup, elle n'ose pas se plaindre du tintouin. Elle a une préférence nette pour Krulau. Une centaine de mètres seulement séparent la maison des Dermot et la nôtre. Elles sont aux deux bouts de la même rue, mais c'est une rue en pente raide. Eux habitent en haut et nous en bas. Et par ailleurs, les fils Dermot ne vont pas à la même école que mon frère et moi. C'est pourquoi il a fallu attendre l'été pour se connaître, ce qui s'appelle se connaître, autrement que de vue. Les Dermot sont installés dans le quartier depuis des temps immémoriaux, alors que nous n'y sommes arrivés qu'en septembre dernier, quand j'avais 13 ans. Maintenant, j'en ai presque 14, vraiment presque. On déménage tout le temps. C'est pour le travail de mon père. Ma mère rouspète, mais ensuite elle prie et ça va mieux. Heureusement qu'on a un piano. Peu à peu cet été-là, le piano devient le centre de notre vie. C'est mamie qui l'a légué à notre père en mourant. Elle-même a passé sa vie à faire des gammes et des arpèges, rien que des gammes et des arpèges, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour préparer le grand concert dans l'au-delà. Toujours est-il qu'elle se retourne sûrement dans sa tombe, entendre ce qu'on fait avec son précieux piano cet été. Mais tant pis, pour une fois que l'instrument prend du bon temps. Un jour, alors qu'on est tous là, à s'égosiller en fin d'après-midi, Monsieur Dermot frappe à la porte. C'est moi qui vais lui ouvrir. Je le connais de vue, bien sûr. Je l'ai souvent observé devant sa maison en train de pelleter la neige ou de tondre la pelouse. C'est un homme grand et brun et voûté, avec quelque chose de blessé dans le regard. Je recule en le voyant, persuadée qu'il est venu nous faire des réprimandes, mais c'est pas du tout ça. Il n'est pas fâché à cause de la débauche musicale de ses fils. Il me demande s'il pourrait pas
essayer le piano lui aussi. Pour une surprise, c'est une surprise. Il descend avec moi au sous-sol, s'assoit au piano, il se met à jouer comme un dieu, non seulement du gospel, mais aussi d'autres musiques que je n'ai pas non plus le droit d'apprendre avec Miss Kenmore. Du jazz et du blues, du boogie et du ragtime, des musiques qui ressemblent à des cris ou à des étreintes. Dès les premières notes, elles se glissent sous votre peau comme de l'or fondu et vous donnent envie de danser, vous trémousser, caresser, embrasser. Je regarde Johnny en me demandant s'il pense à la même chose. Et je constate que oui, qu'il vient tout juste détacher les yeux de mon visage. Nous restons là tous les cinq, debout en cercle autour de Monsieur Dermot, transi, comme hypnotisé. Il joue pendant peut-être une demi-heure. Ensuite, il se lève et, nous remerciant avec le même sourire timide, repart chez lui. Je regarde mon frère et je vois qu'il est aussi abasourdi que moi. Les fils d'Hermotte baissent la tête, fiers et en même temps gênés. Une question s'impose. C'est moi qui la pose. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de piano chez vous ? De façon étrange, la question jette un froid. Je vois les yeux des frères se consulter hâtivement, puis aller courir ailleurs à la recherche de la sortie. Je vois leur visage sombre s'assombrir un peu plus, manière de rougir pour les peaux qui ne sont pas blanches. Le lendemain, Johnny arrive plus tôt que d'habitude et on descend tous les deux au sous-sol. Contente de me retrouver seule avec lui, je m'installe à ses côtés sur le banc du piano. Il se remet à jouer « Oh Them Golden Slippers » comme le premier jour. C'est déjà devenu notre chanson, en quelque sorte. Mais arrivé à la strophe qui parle du vieux banjo, il s'interrompt. Ôte doucement les mains du clavier tout en gardant le pied sur la pédale, de sorte que l'accord en sol majeur continue de réverbérer dans l'air autour de nous, se tourne très lentement vers moi, prend mon visage entre les mains, aux doigts si longs et bruns, et le tourne doucement vers le côté, approche ses lèvres et les pose tout contre mon oreille. Va-t-il glisser la langue dans mon oreille ? Comme le font, paraît-il, certains garçons à certaines filles. Il en est notamment question dans les magazines Confessions vraies, que ma cousine Anne-Marie sort de sous son matelas et m'oblige à lire chaque fois que je dors chez elle. À la seule idée de sentir la langue de Johnny Dermot dans mon oreille, j'ai la tête qui tourne. C'est interdit et mouillé et titillant, mais en plus, ça doit être très bizarre. J'entends sa bouche qui s'ouvre, je sens son souffle chaud, et puis il dit quelque chose. Je ne saisis pas. Ce qui est certain, c'est que ce n'était ni « je t'aime » ni « comme tu es belle », les deux seules phrases auxquelles je me serais attendue. Peut-on dire « pardon » dans un moment comme celui-ci ? Je ne vois pas d'alternative. « Pardon ?» dis-je. Et Johnny Dermot te répétait ce qu'il vient de dire, que j'entends clairement cette fois-ci. Il dit « Ma mère ne supporte pas la musique. » Puis reprend le morceau, là où il l'a laissé, et se remet à chanter. Le banjo qui n'a pas été accordé depuis l'automne dernier. Et moi, je reste là, la tête tournoyante, amoureuse et perdument amoureuse et perplexe. Monsieur Dermot revient. Pas tous les jours, mais plus d'une fois par semaine. Il se détend peu à peu en notre présence, se laisse aller à rire et à chanter lui aussi. Un jour, à notre grande joie, il apporte la partition de Porgy and Bess. Il se met à jouer les chansons de Gershwin tout en nous dirigeant comme si nous étions le chœur. I got plenty of nothing, nothing is plenty for me. J'ai beaucoup de rien, et pour moi, rien c'est beaucoup. L'été continue ainsi. Summertime. C'est le meilleur été de ma vie.
Et puis un dimanche, vers la fin août, au beau milieu d'une recette de muffins aux myrtilles pour le déjeuner rituel avec Anne et Anne-Marie, ma mère s'aperçoit, horreur, qu'elle n'a plus de farine. Vite, vite, il faut que je cours en emprunter à une voisine. Mais à quelle voisine? On ne connaît personne dans le quartier. Comment ça, personne? Madame Dermotte, ce n'est pas une voisine, peut-être? Sa famille n'est pas tout le temps fourrée chez nous, peut-être, en train de manger des chips et de boire de la limonade? On peut bien lui demander quelques grammes de farine en échange. Tiens, prends la tasse. Madame Dermotte, celle qui ne supporte pas la musique. Depuis près d'un an qu'on habite le quartier, je ne l'ai encore jamais aperçue. Et comment dire, je ne suis pas spécialement impatiente de faire sa connaissance. Je grimpe la rue en pente, petite fillette obéissante, tout engoncée dans ses habits d'église, sifflant en summertime entre les dents dans une tentative désespérée pour me retrouver ailleurs, ailleurs, là où la vie est facile, là où les poissons sautent et où le coton pousse très haut, où tous les papas sont riches et toutes les mamans jolies, où on peut se réveiller le matin en chantant, déployer ses ailes et s'envoler. Je grimpe, je grimpe, fait une chaleur gluante. Arrivée en haut de la pente, je suis complètement essoufflée et en nage. J'ai honte de ma robe absurde et froufoutante qui me colle à la peau. J'espère que Johnny ne me verra pas ainsi. Je gravis les marches du perron en tenant ridiculement devant moi la tasse en plastique pour mesurer la farine. La porte de devant est ouverte, sans doute pour permettre à l'air de circuler. Or, il y a quelqu'un dans le hall de l'entrée, et d'un seul coup, tout m'est révélé, par l'ouïe et par la vue en même temps. Ce que j'entends, ce sont des hurlements, ou plutôt des paroles hurlées. Madame Dermotte est en train de vitupérer son mari ou ses fils ou le monde entier, ses mots rendus incompréhensibles par l'extrême violence de sa voix, une voix éraillée et rauque, presque cassée à force d'être poussée au maximum. Ce que je vois, c'est une femme à la chevelure flamboyante et à la peau très blanche. Une femme qui eût été belle, n'était-ce le hurlement qui déforme tous les traits de son visage? Une femme mince, vêtue, chose inouïe parmi les femmes du voisinage, d'un haut sans manches en lamé vert et d'un pantalon assorti. Je vois d'autre part qu'elle est assise. Définitivement, dans une chaise roulante. Je reste là sur le perron, tétanisée, incapable de faire le moindre geste ni de prononcer la moindre parole, serrant stupidement entre mes mains la tasse en plastique. Comment faire pour disparaître? Comment faire pour n'être pas là? Mais c'est trop tard, Madame Dermotte m'a senti, elle a tourné la tête vers moi, elle m'a vue. Elle pousse un nouveau cri, suraigu, horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi qui ne prie jamais, je me mets à prier. Je prie pour que Johnny ne soit pas dans le salon, que ce ne soit pas lui qui vienne et qui me trouve là en train de voir sa mère. Et Dieu qui a le monde entier dans sa main, comme dit la chanson, daigne exaucer ma prière. C'est Monsieur Dermotte qui sort sur le perron. He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the earth and the sky in his hands. He's got the earth and the sky in his hands. He's got the earth and the sky in his hands. He's got the whole world in his hands. Il vient tranquillement se placer entre moi et sa femme, qui continue de pousser dégueulante, effroyable. Ah, c'est toi, Julie, me dit-il. Sa voix est douce, calme, naturelle, comme s'il ne se passait rien. Rien du tout, rien que du très normal. Ah oui, il est clair que pour lui, c'est une journée tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ta mère aurait besoin d'un peu de sucre? Figée dans ma détresse mutique, je fais non de la tête. De la farine alors?
Monsieur Dermot sourit et me prend la tasse des mains. Attends, je vais te chercher ça. Il rentre dans la maison et se dirige vers la cuisine. Son épouse, entre-temps, a fait avancer sa chaise dans le salon et je l'entends qui hurle de plus belle, comme une bête que l'on égorge. Arrêtez-moi ça ! Cette fois contre la télévision, où quelqu'un s'est mis à jouer de l'orgue pour signifier la fin d'une émission religieuse, et l'un de ses fils se précipite pour éteindre le poste. Son mari revient avec la tasse, remplie de farine à ras-bord. Il me sourit à nouveau en me la passant et m'ébouriffe la tête. « À bientôt, n'est-ce pas, Julie ?» dit-il. Mes parents savent-ils que Madame Dermot est une femme handicapée ? Une mégère terrifiante, je ne leur en parle pas. Sans bien savoir pourquoi, je choisis de me taire. Même à mon frère, je ne dis rien. C'est comme si cette vision appartenait à une autre dimension de l'univers. J'y pense souvent, à l'ensemble enlamé vert, à la belle crinière de feu, à la peau si blanche de cette femme qui ne ressemble en rien à son mari ni à ses fils, et à ses cris épouvantables. Que lui est-il arrivé ? D'où lui vient cette allergie à la musique ? Quel mal la pousse à chaque instant à faire mal aux autres ? C'est la dernière semaine des vacances. Les frères Dermot viennent chanter chez nous et leur père aussi, mais ça se passe moins bien qu'avant, on se force un peu. On se sent vaguement bête et malhonnête à toujours imiter l'accent des Noirs. Et de plus, sans se l'avouer, on a commencé à s'ennuyer. On n'en peut plus de cette liberté excessive, de ces journées identiques, longues, ensoleillées, paresseuses. Et brusquement, l'été prend fin. On retourne à l'école, chaque famille la sienne, et la routine reprend, les trajets en bus, les cours de catéchisme, les leçons à l'encre violette avec mes Scanmore, le repas à l'heure fixe, la nuit qui tombe de plus en plus tôt, la vaisselle, la poubelle, la ronde des semaines, des obligations, des horaires. Nous perdons complètement de vue la famille Dermot. En octobre, je fête mes 14 ans. Par malheur, ça tombe un dimanche et il n'y a pas moyen d'empêcher Anne et Anne-Marie de me chanter joyeux anniversaire. Difficile de dire laquelle de la stridente ou de la nasillarde est la voix la plus horripilante. Quand je souffle les bougies sur mon gâteau, le vœu que je fais n'est pas très charitable à leur égard. Bientôt l'hiver est là. Il s'installe pour durer. Ce n'est pas par hasard qu'il n'y ait pas de beau blues intitulé Wintertime. Qui a le temps de chanter en hiver ? On met 20 minutes rien qu'à s'habiller pour sortir le matin, en filant couche sur couche de laine, pulls, chaussettes, manteaux, écharpes, bonnets, gants. Comment tomber amoureux ? À la fin, tout le monde se ressemble et on ne reconnaît personne. Il fait nuit quand nous partons pour l'école le matin, nuit quand nous rentrons. C'est un univers pur et dur, en noir et blanc. Il n'y a plus d'or, plus le moindre scintillement nulle part. Je serais incapable de dire à quel moment cela a commencé. Ce n'est jamais clair, les rumeurs. C'est toujours glauque, sournois, insidieux. Les femmes du voisinage se mettent à susurrer des choses en prenant le café ensemble l'après-midi. Elle les glisse en sourdine à d'autres femmes. Ma mère s'y met aussi. Elle n'en est pas vraiment de la cabale. On habite le quartier depuis trop peu de temps. Mais le moyen le plus sûr d'en être, c'est de commenter le malheur des autres avec force, soupir et claquement de la langue. Dans un premier temps, on attrape, mon frère et moi, que des bribes de phrases indignées, des exclamations vite étouffées en raison de notre présence. Mais peu à peu, le sens de tout cela se dégage. Madame Dermot serait... Mais non, c'est impossible, à son âge, dans son état. Oh ! Ah bon ? Alors c'était de notoriété publique, son état. Tout le monde était au courant. Mais si, puisque je te le dis, je le tiens d'une telle qui est de tienne d'une telle. Enceinte. Et non
seulement enceinte, mais je t'assure, mais qui l'a su, qui a pu le savoir, cette chose proprement incroyable, impensable, d'un autre que de son mari. Tu te rends compte ? Monsieur Dermot, l'image même du dévouement, toujours si tendre et patient avec elle, voilà comme elle le remercie. Il ne suffit pas qu'elle le tranche le tarot du matin au soir. Non, il a fallu qu'elle lui fasse ça. Et quand ? Pendant qu'il était au travail. Et avec qui ? Ben, avec le plombier, le laitier, le livreur du nouveau canapé de chez Eaton's. Et où ? Ben, comment ils se sont pris, cette femme et son... On ose à peine prononcer le mot. Comment ? Allons-y gaiement, prononçons-le quand même. Cette femme et son amant ! Cette femme mariée, paralysée, c'est donc qu'il le savait, c'est donc que c'était un secret de Polichinelle. Et son amant diabolique, en lui montrant le fonctionnement du canapé-lit, l'a-t-il soulevé de son fauteuil roulant, prise dans ses bras et jeté sur le matelas encore recouvert de son plastique ? On ne veut même pas y penser. Tu parles qu'elles ne veulent pas y penser. Elles ne pensent plus qu'à ça. C'est devenu le seul et unique sujet de leur conversation. Le dimanche suivant, même tante Anne est mise au fait et la chipide Anne-Marie de me glisser méchamment à l'oreille. Alors comme ça, tes copains de l'été dernier, c'était des fils de pute ? Et ils ont bientôt un petit frère bâtard ? Bravo, vraiment ? J'ai envie de chialer. Je la hais, Anne-Marie. Et je ne sais pas quoi lui répondre. Ce qui est plus grave, c'est que je ne sais pas quoi faire. Et mon frère non plus. Du coup, comme cela arrive souvent, quand on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien. Parfois, quand je sors le samedi après-midi pour aller chez Miss Canmore, je vois M. Dermot là-haut, en train de pelleter la neige sur son perron, et je lui fais un grand signe de la main pour qu'il voit bien que je ne fais pas partie de la cabale. Mais c'est peu, et c'est tout. Johnny et ses frères ne viennent pas nous voir. Nous n'allons pas les voir non plus. C'est vrai que nous sommes occupés, on peut se dire ça, on se le dit. Nous sommes tous débordés par les devoirs, la télé, les amis, les contrôles, les corvées, mais c'est aussi que tout au fond de nous-mêmes, on n'a pas trop envie de savoir. On veut bien la leur laisser aux adultes, cette sombre histoire. On l'oublie en somme, un peu, en quelque sorte. On ne remarque donc pas vraiment, pas plus que ça, au mois de février, la voiture du médecin garée devant la maison des Dermot plusieurs jours de suite. Et on n'est pas là, on est à l'école le jour où Madame Dermot est portée sur une civière jusqu'à l'ambulance et emmenée à l'hôpital. Notre mère l'annonce à notre père pendant le repas du soir. Il semblerait qu'il y ait des complications. Mon frère et moi, on se regarde. Complications, c'est un mot qu'on aurait franchement mieux aimé ne pas entendre. Une grossesse en tant que telle, c'est déjà une idée bien compliquée. Si on ajoute à ça l'idée d'un adultère et celle d'un handicap physique, c'est archi drôlement et plus que suffisamment compliqué déjà. Mais alors si on vient nous mettre par-dessus cela des complications, ben non, désolé, on ne tient pas à le savoir. On avale rapidement le contenu de notre assiette et on demande à quitter table. Rentrant de l'école un jour vers la fin mars, après la fonte des neiges, mais avant que les premiers brins d'herbe ne se mettent à verdir dans les jardins, pendant donc cette brève et bienheureuse période de corvée réduite, sans pelle et sans tondeuse, j'entends un blues très doux, très langoureux, venant du piano au sous-sol. Je lance mon cartable sur le canapé. Ma mère, debout au comptoir de la cuisine, en train de préparer des sandwichs au beurre d'arachide et à la confiture de framboise pour mon goûter, ne se retourne pas pour me saluer, ne répond même pas quand je lui demande « qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, comme je ne suis pas bête, je sais que Madame Dermot est morte. Oh, Pierre va sonner les cloches. J'ai des nouvelles du paradis. Peter, go ring them bells. Peter, go ring them bells. Peter, go ring them bells. I heard from heaven today. I heard from heaven today. I heard from heaven.
them bells, Peter. Go ring them bells, I heard from heaven today. Debout dans l'embrasure de la porte, je regarde Johnny jouer. Il ne chante pas, mais il sait que je connais les paroles par cœur. À la fin du morceau, il garde le pied sur la marchette, comme le jour où il avait failli m'embrasser. Oui, c'est le même accord de sol majeur. C'est comme un signal. Je me sens émue et tout à coup très adulte. Je viens près de lui et pose mes deux mains sur ses épaules. On reste ainsi une minute poignante, divine. Puis brusquement, il se lève et quitte la pièce pour que je ne voie pas ses larmes. Je comprends. C'est un homme. Il a honte de pleurer. J'aurais tant aimé le consoler en le serrant doucement contre ma poitrine, car elle pousse ma poitrine. Malgré les taquineries tannantes d'Anne-Marie, genre deux raisins secs sur une planche à pain, ce n'est pas aujourd'hui qu'il la découvrira. Ce n'est pas le moment, c'est clair, mais on ne doit plus en être très loin. Les funérailles de Madame Dermot se déroulent dans la plus stricte intimité. Ma mère et les autres femmes du voisinage se disent sans doute que la mégère adultère a eu sa juste punition et que, en fin de compte, c'est mieux ainsi, que son bébé bâtard retourne au paradis avant même de naître. Oui, tant mieux pour lui. Elles se disent de ces choses, les femmes chrétiennes, il ne faut pas croire. Mais un peu plus tard, une fois le printemps franchement installé, M. Dermot nous surprend tous en donnant une grande fête. Jamais le quartier n'a vu cela. 50 invités au bas mot, les amis des parents, les parents des voisins, les voisins des amis. C'est le samedi d'avant Pâques et toute la maison embaume le lys, le narcisse et la jonquille. Ils sont sensationnels, M. Dermot et ses trois garçons, fringués pour l'occasion avec des costumes noirs, des chemises blanches et des nœuds papillons, leurs cheveux noirs laqués et plaqués sur le crâne. Ils veillent à tout, font les présentations, nous servent et nous resservent à boire et à manger. Comme d'habitude, c'est Johnny le plus beau. Et de temps à autre, il me lance de ses yeux profonds comme le lac des cygnes, un regard langoureux. Mais il a trop à faire à s'occuper de tous ses invités. On n'arrive pas à trouver un moment pour être seul à seul. Une grande photo couleur de Madame Dermot trône près du bol de punch sur la table du salon. Sur la photo, elle porte une longue robe blanche fendue sur le côté et elle est non seulement debout sur ses deux jambes, mais triomphante, éclatante, joyeuse. Ses yeux verts lancent des éclairs et on a l'impression d'entendre presque la cascade de son rire. Quand tout le monde a un verre à la main, Monsieur Dermot propose un toast à Betty. C'est la première fois que j'entends son prénom. Betty, un nom de pure allégresse, un nom à porter des souliers d'or et à danser dans les rues. Avait-il dansé dans les rues d'or, elle et M. Dermot, le jour de leur mariage? Et puis une chose terrible était survenue,
un accident, une maladie, le sale destin qui s'abat sur vous sans prévenir, et Betty n'avait plus pu se servir de ses jambes, terminer la danse à tout jamais, donc terminer la musique aussi, plus une note de musique dans la maison. Rien qu'à des cris de désespoir. Les gens sont légèrement déconcertés. En venant chez les Dermot cet après-midi, ils ne savaient pas à quoi s'attendre au juste. À des prières, peut-être. À de la commisération vertueuse avec le veuf cocu et les orphelins éplorés. Certainement pas à une fête en l'honneur d'une Betty Dermot jeune et sensuelle et insolente. Par ailleurs, peu d'entre eux ont l'habitude de boire. C'est donc après maintes hésitations et des regards jetés à la ronde qu'ils se décident à lever leur verre et à murmurer, pour ne pas paraître ingrats, à Betty. Tout de même, le punch est délicieux. On pourrait presque croire qu'il s'agit d'un mélange de différents jus de fruits et des glaçons. Alors, c'est ce qu'on feigne de croire. Ils feignent de croire et ils l'avalent. Dans le silence qui s'ensuit, M. Dermot traverse la pièce et met un disque sur le pick-up. Des voix d'anges. Ça commence tout bas, avec des sons très doux et retenus. Et puis ça enfle peu à peu, se déploie et se déverse dans d'irrépressibles vagues de félicité. Didon est aîné de Purcell. Depuis tant d'années, il n'y avait pas eu de musique dans cette maison. Et maintenant, elle vient emplir l'air et nos cœurs de sa joie déferlante, balayant les mauvais souvenirs, les échos des hurlements, les ombres du malheur. C'est fort, je trouve, de la part de M. Dermot. Ça ne doit pas arriver à beaucoup de gens dans la vie, une telle preuve d'amour. Tout le reste de l'après-midi, 50 personnes éberluées restent ensemble dans cette même atmosphère étrange, se laissant resservir du punch parce que décidément le printemps est précoce cette année, qui fait soif, écoutant les uns après les autres tous les disques abandonnés, ressuscitant en l'honneur de Betty Dermot le tango, le foxtrot, le two-step et le twist. Vers la tombée de la nuit, les gens commencent à tituber un peu et on dirait qu'ils sont sur le point de danser. Mais il ne faut pas rêver. Il y a des limites, même au miracle. Petit David joue sur ta harpe, allez-le. Little David, play on your harp, alléluia, alléluia. Little David, play on your harp, alléluia. David was a shepherd boy. He killed Goliath and jumped for joy. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. Little David, play on your harp, hallelujah. Vers 8 heures, alors que mes parents commencent à se regarder de cet air qui veut dire on devrait tout de même songer à rentrer, je vois Johnny se diriger vers la cuisine pour remplir une nouvelle fois le bol de punch et je le suis. Cette fois, nous sommes vraiment à deux doigts de nous embrasser, j'en suis sûre. Je vois bien l'air avec lequel il fait semblant de se concentrer sur la louche et le grand bol en plastique bleu. Mais juste à ce moment-là, son petit frère sort des toilettes et tout est gâché. Ça sera pour bientôt. Ça sera pour la prochaine fois. Me répétais-je tout bas en rentrant à la maison. J'ai des ailes, Johnny et moi. Moi et Johnny. Un jour, on se mariera. Et il m'emmènera loin d'ici, dans une ville du sud où il ne neige jamais, et où on peut se balancer sur des rocking chairs et sur la véranda jusqu'à tard dans la nuit, en sirotant des cocktails et en jouant de la guitare. Ah, vivement l'été! Thank you.
Je prépare avec enthousiasme les examens de fin d'année. Maths, histoire, géométrie. Au récital de Miscanmore, je joue deux études de Chopin par cœur, presque sans faute. Tout m'est facile, tout. Même d'être agréable avec cette chipie d'Anne-Marie. Même de me retenir de rire quand elle m'avoue que son boyfriend, en l'embrassant dans la voiture pendant une séance de cinéma en plein air, a défait son soutien-gorge. Toi, tu n'en portes pas encore, bien sûr, dit-elle. Tu peux même pas comprendre l'effet que ça fait. Je suis sûre et certaine que le boyfriend en question est gros et gras et boutonneux comme elle, que son haleine pue la bière. Aucun homme ne peut se comparer à mon prince charmant, à moi. Mon beau Johnny, si sombre et doux et taciturne. Mon homme qui ne me viendrait pas à l'esprit de salir en en parlant à Anne-Marie. Je compte les jours jusqu'aux vacances d'été, quand nous serons tous libres à nouveau et que Johnny reviendra faire de la musique dans notre sous-sol. J'ai tant mûri depuis l'été dernier. Bientôt 15 ans, je suis pour ainsi dire une femme. Un soir de la fin juin, alors qu'il ne reste que 5 jours avant la date fatidique, mon frère entre en trombe dans ma chambre, l'air bouleversé. Tu sais pas la nouvelle ? On déménage. Quoi ? On déménage. Papa a encore été muté. C'est dans l'Est cette fois-ci. Non, tu plaisantes. Il nomme une ville. Je ne sais pour ainsi dire rien de cette ville, sinon qu'elle n'est pas dans le Sud et qu'elle se trouve à plus de 2000 kilomètres de là où nous habitons. Tu plaisantes, tu plaisantes, tu plaisantes. C'est tout ce que j'arrive à dire. J'ai l'air de plaisanter, dit mon frère. Non, mais c'est pas vrai. Mon avenir s'effondre. Les parents décident. Pour eux, les enfants n'ont pas de vie, pas de désir, pas de volonté. Ils n'ont qu'à serrer les mâchoires et encaisser. Aussitôt commencent les préparatifs de départ. Rangement, carton, caisse, objets triés, classés, entassés, murs de ma chambre dénudés. Je connais ça par cœur, j'ai horreur de ça. Did my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Did my Lord deliver Daniel? And why not every man? He delivered Daniel from the lion's den. Jonah from the stomach of the whale, and the Hebrew children from the fiery furnace, and why not every man? Didn't my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Didn't my Lord deliver Daniel, and why not every man? Je ne veux pas partir. Je ne le reverrai jamais, Johnny. La nouvelle ville est tellement loin qu'il est hors de question, hors de prix, de louer un camion pour le déménagement. Nous allons vendre presque tous nos meubles, emporter ce qu'on peut dans la voiture et racheter ce qu'il nous faut une fois sur place. Nous aurons tout l'été pour nous installer. C'est bien, on n'est pas pressé, on a du temps devant nous. Devant moi, je ne vois que l'abîme. Et le piano ? Demande soudain mon frère. Alors que nous discutons de tout cela au repas du soir. Que va devenir le piano là-dedans ? Drôle que ce soit lui qui y ait pensé. Moi, je suis tout à mon chagrin d'amour. Les parents lèvent les sourcils. Effectivement, le piano. Eux aussi l'avaient oublié. Si on le met sur le toit de la voiture, on n'aura plus de voiture. D'un autre côté, l'idée de vendre ce cadeau de mamie leur fait de la peine. Qu'en faire alors ? Cette fois, l'ampoule s'allume au-dessus de ma tête à moi. Je sais, il faut le donner au Dermot. Les parents acquiescent, ravis. C'est l'évidence même. La musique doit revenir une fois pour toutes dans cette maison en haut de la colline. Le 1er juillet, le monstre de bois et de fer et d'ivoire est donc hissé sur un diable et poussé dans la pente raide par les deux familles réunies, c'est-à-dire 8 personnes. La sueur nous ruisselle sur le visage et dans le dos. Nos muscles se bandent douloureusement. La tête près d'exploser, nous faisons des grimaces grotesques. Mais ensuite, le bonheur des Dermot.
le piano dans leur salon, les trois fils et le père qui tournent autour, incrédules, ravis, frôlant et chatouillant le clavier les uns après les autres et tous en même temps. Seigneur, quelle matinée! Seigneur, quelle matinée! Oh mon Seigneur, quelle matinée! Quand les étoiles se mettent à tomber. My Lord, what a morning! Morning when the stars begin to fall, you hear the trumpet sound to wake the nations underground, looking to my God's right hand when the stars begin to fall. My Lord, what a morning, my Lord, what a morning, my Lord, what a morning, when the stars begin to fall. Le jour même, la voiture chargée jusqu'au toit, nous partons. Il y a un épilogue à cette histoire. Vous voyez bien que ce n'est pas le genre d'histoire qui se termine par « et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Oui, vous avez sans doute compris depuis longtemps qu'en fin de compte, je n'ai pas chaussé mes souliers d'or pour épouser Johnny Dermot et que nous ne sommes pas allés habiter dans le sud où les rues sont pavées d'or et où tout le monde chante et danse à longueur de journée. Pourtant, ce sont bel et bien des noces qui viennent clore ce récit. Eh oui, celle aussi incroyable que cela puisse paraître, de ma cousine Anne-Marie. Son boyfriend boutonneux et biérophile a décidé qu'elle avait suffisamment redoublé sa terminale comme ça et qu'au fond, le bac ne lui servirait à rien, à elle, puisque son plus ardent désir à lui était de l'entretenir pour le restant de ses jours grâce à son salaire de représentant en cabinet de toilette. Nous apprenons donc, une fois arrivés dans notre nouvelle ville à 2000 km de l'ancienne, qu'une date a été fixée. Cette nouvelle, comme vous pouvez vous l'imaginer, ne me fait ni chaud ni froid. Autre chose, en revanche, dans la conversation téléphonique entre mon père et Anne, sa sœur aînée, me fait et très chaud et très froid. Encore maintenant. Des gouttes de rage me perlent sur le front et des frissons de haine me parcourent l'épine dorsale chaque fois que j'y pense. Tante Anne, ayant primo appris ce qu'on avait fait du piano, ayant deuxio jugé inadmissible de laisser sortir de la famille un objet d'une si grande valeur sentimentale, reçu en héritage de leur défunte maman de tendre et moyennement musicale mémoire, ayant tertio et ipso facto résolu d'offrir le piano en cadeau de mariage à sa propre fille, a envoyé chez les Dermot un camion de déménageurs qui le leur a enlevé. C'est fait. Quand nous l'apprenons, c'est déjà fait depuis un mois. Le piano ramasse déjà de la poussière dans la maisonnette destinée à recevoir la cousine Anne-Marie et son futur époux. Eh oui. Voilà ce que c'est la fin de cette histoire. Plus de souliers d'or, plus de summertime, plus de let my people go, mais un soupir, une disparition, une extinction, un meurtre de la musique. Ceux qui l'aiment en ont été privés par ceux qui ne l'aiment pas. Et le piano restera fermé à jamais, transformé en meuble, à bibelot et à plantes vertes sur lequel baveront les miochetons du jeune couple comme il faut. Mais les Noirs disent qu'on va bien s'amuser quand on débarquera en carrosse le matin. Oh, my golden slippers are away, they're away, 'cause I don't expect to wear them till my wedding day. And my long-tailed coat that I love so well, I will wear up in the chariot in the morn. Oh, them golden slippers, oh, them golden slippers I'm gonna wear. How they look so neat. Oh, them golden slippers. Oh, them golden slippers.
non.